RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et vous recevez ce matin le nouveau directeur du Camp Est. Philippe Perron, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir réservé vos premières impressions à Radio Rythme Bleu. Vous venez donc d'arriver sur le territoire, mais ce n'est pas tout à fait la première fois que vous êtes en Nouvelle-Calédonie, puisque vous aviez assuré un intérim, c'est comme ça qu'on dit, au mois de juin dernier. Oui, absolument. J'ai eu la chance de faire cet intérim après une proposition de l'administration centrale à Paris. Et donc, je suis venu 3 semaines fin juin l'année dernière. Et de ce passage, de ce moment intéressant, est née l'idée chez moi de postuler définitivement pour ce poste. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit exactement? C'est la particularité de la Nouvelle-Calédonie, sa situation, c'est quoi? C'est deux choses, en fait. La première, effectivement, une aventure humaine. Mmh. J'ai pas mal d'années de pénitentiaire derrière moi. Je suis rentré en 1981 dans cette administration, qui est un beau service public avec une utilité sociale intéressante. Et je n'avais jamais fait de séjour et de parcours outre-mer. Et j'ai eu l'occasion de découvrir cette culture extrêmement attachante, ces rapports de l'homme à la terre, ces rapports des hommes entre eux. Et de là est née cette idée-là. Et puis, deuxième raison, c'est un challenge à relever parce que c'est un établissement qui est fortement décrié aujourd'hui de tous les côtés. Quelquefois à raison, mais souvent à tort, je pense, parce qu'il y a une vraie vie à l'intérieur de ce centre pénitentiaire. Donc, j'avais envie de relever ce challenge, de développer une vie, développer des activités et faire en sorte que l'administration pénitentiaire puisse réaliser la première de ses missions, qui est la prévention de la récidive. Alors, vous avez dirigé des établissements pénitentiaires en métropole. C'était dans quelle région? Alors, j'ai fait un petit peu, comme on dit, le tour de France de l'administration pénitentiaire. J'ai dirigé les prisons de Lyon, j'ai dirigé la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, j'étais adjoint à Fleury-Mérogis, j'étais adjoint à la maison centrale de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, voilà. Et puis après, j'ai eu un temps où j'ai été directeur interrégional, dirigé plusieurs régions administratives sur le plan pénitentiaire, à Dijon, une première fois, et puis le moment le plus intense, on va dire le plus important, 6 ans à Marseille, sur la région PACA-Corse. Mmh. Alors le Camp Est, revenons-y, puisque vous le savez, vous le disiez vous-même, l'établissement est très souvent montré du doigt, notamment en raison de la vétusté des installations, de la surpopulation carcérale. Alors, est-ce qu'il y a des projets concrets pour remédier à ces situations? Écoutez, je crois que la justice a pris la seule décision qu'elle pouvait prendre pour régler en tout cas une partie de la situation, c'est-à-dire la construction d'un deuxième établissement pénitentiaire sur le territoire, qui aura pour effet, lors de sa mise en service qui est prévue fin 2021, qui aura pour effet de désencombrer forcément une partie du centre pénitentiaire de Nouméa, puisque l'établissement de Koné va être un établissement à structure allégée, mais va concerner uniquement des détenus condamnés. Donc avec tous les process de réinsertion mis en route localement, et offrira à peu près 120 places disponibles. Non, mais ça n'empêche pas qu'à Nouméa, il y a tout de même un problème. Ce sont de vieilles installations, on parle de containers qui sont transformés en cellules. Est-ce que tout ça va changer? Est-ce qu'il va y avoir des travaux? Je vais être clair avec vous, est-ce qu'il faut raser le Camp Est, le reconstruire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a un schéma directeur actuellement à l'étude à Paris, sur un certain nombre de solutions possibles, de réflexions en tout cas sur cet établissement qui ne pourra pas continuer à vivre de cette façon-là pendant 20 ans, c'est clair. Nouméa a besoin d'un établissement pénitentiaire important, a besoin d'un établissement pénitentiaire bien structuré. Encore une fois, je le dis à l'instant, pour mettre en place un nombre important de processus d'insertion, parce que le citoyen a tout à y gagner dans cette démarche-là et dans cette prise en charge. Il faut enlever l'idée aux gens que la détention, ça n'est que la détention pure et dure. Si on ne fait rien pendant la période de détention, là où oui, effectivement, les taux de récidive sont très très élevés. Donc il faut vraiment travailler avec les gens, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des formations professionnelles, que ce soit au niveau de l'occupation, tout simplement, même si elle n'est qu'occupationnelle. Et voilà, donc après, les schémas directeurs sera à un moment ou à un autre arbitré par Paris, qui décidera effectivement de ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à construire sur l'empreinte foncière qui est la nôtre actuellement? Est-ce qu'il faut reconstruire
reconstruire sur place. Est-ce qu'il faut reconstruire ailleurs? Ça, j'en sais strictement rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on restera pas dans ces conditions-là, parce que même si aujourd'hui je suis en train de mettre en place un plan d'action pour améliorer les conditions de détention ordinaires, quotidiennes, ça résoudra pas les problèmes et ça ne changera pas le fond de la structure qui effectivement est basée, vous le disiez vous-même, sur des modulaires maritimes et qui ont une durée de vie limitée. Et avec de fortes dégradations aussi de la population pénale, tout simplement parce qu'ils sont plusieurs dans la cellule. Alors les conditions de détention, vous les évoquez, ça conditionne évidemment tout le système de vie interne du centre de détention. Est-ce que vous avez des projets pour que des choses nouvelles se passent à l'intérieur de la prison? Écoutez, oui, on est en train d'y travailler dessus. On a une réflexion en cours, mais on ne l'amènera pas seul, cette réflexion, parce que ce qui est important, c'est de consolider le lien dedans-dehors. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que la prison soit un moment d'exclusion pure et dure. Ça, c'est impossible, parce que le retour à la société, le retour à la vie civile est extrêmement important. D'ailleurs, le législateur ne s'y est pas trompé, puisqu'une disposition législative va avoir son application dès le mois de mars, la fin du mois de mars, c'est-à-dire la fin de l'incarcération, des condamnations inférieures à 6 mois. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent justement et qui vont continuer à travailler pour que la prison soit pas finalement la seule solution. Il y en a d'autres, on sait que les peines alternatives à la prison se multiplient. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent à la prévention, à la réinsertion des détenus. Tout ça, c'est un peu en lien avec vous aussi. Oui, tout à fait. Vous savez, l'administration pénitentiaire n'a pas le monopole de la prise en charge de la personne qui est sous main de justice. On travaille beaucoup avec le secteur associatif, on travaille aussi avec des municipalités, on travaille avec tous ceux qui sont capables d'apporter quelque chose aujourd'hui en termes de prise en charge. Parce que le public qu'on reçoit est un public complètement désocialisé. C'est un public fragile. On en pense ce qu'on veut, mais c'est la vérité. C'est un public aussi, on a un taux d'illettrisme assez important. Donc il y a tout un travail à faire, mais un travail d'accompagnement. Si la personne est seule, de toute façon, elle ne s'en sortira pas. Donc on essaye de structurer un petit peu son parcours pour qu'elle ait le maximum de chances de réussite à la sortie. Ça passe bien évidemment par un travail, un hébergement, et si possible, des liens sociaux avec la famille ou autre qui soient forts. Globalement, depuis que vous êtes arrivé, quelles sont vos premières impressions sur la vie au camp Est, sur le moral des personnels de l'administration? Bah écoutez, elles sont plutôt positives. J'ai rencontré des gens qui sont volontaires. J'ai rencontré des gens qui ont envie de faire évoluer les choses et qui rejettent le fait qu'on parle de l'établissement dans lequel ils travaillent, où il y a une certaine forme d'appropriation. Hein, c'est leur outil de travail aussi, et qui rejettent tout ce qui est dit actuellement parce que ça fait mal à un moment. Alors que la vie du surveillant, pour parler du surveillant, parce qu'on voit souvent que le surveillant dans un établissement pénitentiaire, même s'il y a d'autres catégorie de personnel qui travaille. Mais la vie du surveillant est quand même dure, difficile, compliquée. Et ce qui fait la force de cet établissement aujourd'hui, ce qui lui permet de se maintenir, c'est justement ces rapports humains entre les personnels et les personnes détenues. Ça, c'est important, c'est quelque chose sur lequel vous comptez? C'est fondamental parce que ce sont des gens qui ont envie de voir évoluer les choses, ils ont envie de voir du positif dans tout ça, et le fait d'avoir des rapports humains et de pouvoir discuter avec les détenus, de pouvoir converser avec eux et leur faire comprendre, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont des idiots et qu'ils comprennent beaucoup de choses, notamment si on met en place un plan de restructuration des cellules et qu'on bloque 3-4 cellules à un certain moment pour les refaire. Les gens peuvent comprendre ça et comprendre qu'à un moment ça sera un peu plus dur parce qu'on refait des cellules neuves à côté, enfin neuves, en tout cas on les remet aux normes, électricité, plomberie, peinture, etc. Donc ça, les gens peuvent comprendre, mais pour comprendre il faut discuter, il faut dialoguer avec eux et il faut avoir cet espace de communication. Je dis pas qu'il faut tout accepter, c'est pas vrai. Moi, je travaille beaucoup sur la notion de respect. Moi, je pense que pour être respecté, il faut déjà être respectable, et que derrière, il faut être propre. Et c'est cette, en fait, la force de cet établissement pour le moment, ce sont ces rapports humains. Vous parliez d'un schéma directeur qui est à l'étude à Paris, d'une décision. Ça veut dire qu'une décision sera prise. À quel horizon? Est-ce que c'est là, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans? Alors là, je suis pas dans le secret des dieux, bien évidemment. Ça, je ne peux absolument pas vous dire. L'important, c'est que l'administration centrale aujourd'hui s'intéresse de près au devenir de cet établissement.
Bon, en dehors de ce qui s'est passé et des réponses qu'on doit donner par rapport aux décisions des juridictions administratives, notamment par rapport aux différents rapports qui ont eu lieu, on se doit d'avoir une réflexion extrêmement profonde sur cet établissement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas perdu de vue. Voilà. Le CP Nouméa, et moi je me chargerai de rappeler aux autorités décisionnaires qu'on a besoin de solutions, qu'on a besoin d'avoir une ligne directrice, d'avoir des orientations sur cet établissement, ne serait-ce que pour les personnels qui sont à l'intérieur et qui ont besoin aussi de savoir ce qu'ils vont devenir, parce que les personnels sont des gens en général originaires d'ici, et ce sont des gens qui vont faire quasiment toute leur carrière professionnelle à l'intérieur de cet établissement. Donc ils ont aussi envie de le voir évoluer. On va terminer par une anecdote, Philippe Perron, puisque vous le savez, un nouveau procureur de la République va être installé d'ailleurs aujourd'hui même officiellement auprès du tribunal de première instance de Nouméa. Il s'agit d'Yves Dupas, qui lui-même vient de l'administration pénitentiaire, puisqu'il a été directeur du camp il y a quelques années, et vous le connaissez. Et je le connais, oui, c'est un ancien collègue qui a bifurqué après de la pénitentiaire vers la magistrature, hein, c'est son choix professionnel, mais qui a une grande expérience, puisqu'il a dirigé des établissements importants en France, en métropole, notamment le centre pénitentiaire de Moulins, avec une très, très grosse maison centrale, et il a été directeur, effectivement, du centre pénitentiaire de Nouméa, donc ce qui va faciliter très grandement, je dois dire, la compréhension qu'on va avoir l'un et l'autre et notre vision des choses, qui va être une vision, je pense, assez commune de l'évolution de cet établissement. Philippe Perron, nouveau directeur du CNES, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.